Chérie, votre dernier spectacle s'appelle Camping Car Forever. Ah. C'est jamais facile de trouver un nom de spectacle. C'est vrai. Toi, il t'appelle comment ton spectacle? Laurent Baffy se pose des questions. Az s'appelle comment? Az. Merci. Alors, je vais vous donner des noms de spectacle. Par rapport à ton nom? Attendez, Cyril, le vôtre, c'était quoi? Bah, vous allez voir. Ah. Je vais vous donner des noms de spectacle. À vous de me dire s'ils ont vraiment existé ou non. Ok. Est-ce qu'on a vu Norbert Tarrère jouer son spectacle One Man Show Patate? Oui. One Man Show Patate, ça existait. Est-ce qu'on a vu Tex jouer son spectacle Tex in the City? Oui. Oui. Ouais. C'est bon, oui, c'est bon. Est-ce qu'on a vu Michel Cymes jouer dans son spectacle Un Indien dans la ville? Non. Non. C'est drôle. Un Indien dans la ville, j'adore. Je pense que si tu lui envoyais cette affiche, vous seriez moins fâché. Parce qu'elle est jolie, cette affiche. Eh ben, j'ai pas lui envoyé, alors. Est-ce qu'on a vu les Vampes jouer leur spectacle Autant n'emporte les Vampes? Oui, oui. Et c'est Eric Carrière, l'auteur. Je suis co-auteur. C'est vrai? Ah ouais, absolument. C'est Eric, ouais. Est-ce qu'on a vu Éric Zemmour jouer son spectacle 1, 2, 3, La France, c'est fini? Non. One, two, three. L'affiche est folle. L'affiche est exceptionnelle. La France est finie. Ouais, ouais. Ça, tu mets ça dans l'huile, les gens se désabonnent. Ah ouais. Est-ce qu'on a vu Anne Roumanoff jouer son spectacle Anne Roumanoff? Oui. Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Est-ce qu'on a vu Mac Lesguy jouer dans son spectacle E égale M circoncis? Ah non. Mais quelle violence. Mais arrêtez. Mais non. Elle est magnifique, cela. Cyril, oui. T'as un bout de jambon là. Arrête, je ne mange pas de ralouf. Je ne mange pas de ralouf. Arrêtez avec ça. C'est quand même un monde. Les Chevaliers du Fiel. Alors, vous, on va revoir votre spectacle. Vous, c'est Camping Car Forever. Tranquille. Qui c'est qui choisit les affiches comme ça? C'est vous? Ouais, on a une idée. Puis on a un super photographe qui, d'ailleurs, de Toulouse, mais qui travaille à Paris, qui est le plus grand photographe d'affiches, je pense, qui s'appelle Pascal Ito, qu'on salue. Et voilà, il fait toujours des super belles photos. Alors, j'ai vu, vous êtes avec... Il y a un couple d'Allemands. Ah ouais. À côté de vous, exactement. Ouais. Je sais, non mais j'ai vu le spectacle. Ah. Et j'ai vu. Et vous êtes très sexy dedans, vous. Vous avez... Franchement, vous êtes magnifique. Sans aucun produit, sans rien. En petite allemande, franchement. Ah oui. Hein, vous allez voir, voyez le spectacle. La route. Ça m'a beaucoup plu. Sachez-le.